À tous. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous pour cette conférence live en direct sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Je vous laisse le temps d'arriver et je vous invite à partager dans les commentaires les villes d'où vous nous regardez. Ça permet de créer du lien et de savoir d'où est-ce que vous nous regardez. Nous sommes donc en direct sur notre page et notre chaîne YouTube, Facebook, Nouvelle Acropole France. Et vous pourrez revoir cette vidéo en replay à l'issue de cette conférence. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, d'où vous nous regardez ce soir. Nous, on est à Paris et on est très heureux de vous accueillir. Je vois que vous commencez à arriver un peu partout de France. Donc, il y a des personnes qui viennent d'Aix-en-Provence, bonsoir, la Moselle et Metz et Lyon. Mais c'est super, on vous souhaite la bienvenue. On a aussi peut-être des personnes qui nous regardent de Montréal. Ah ben voilà, une Sophie de Montréal qui nous regarde et des Parisiens et de Belgique aussi. On souhaite vraiment les bienvenus. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Nous sommes déjà une cinquantaine de personnes sur ce live. Merci. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions pendant la conférence. On les partagera à la fin. Pour commencer, je vais vous présenter Nouvelle Acropole, puisque cette conférence est donnée par l'association Nouvelle Acropole. Donc, qu'est-ce que Nouvelle Acropole? C'est un mouvement international de philosophie, de culture et de volontariat. Nous œuvrons très concrètement depuis 60 ans à travers un réseau de 430 villes comme module de transition intérieure vers un nouveau monde que nous souhaitons plus juste et plus humain. Nous croyons que le véritable changement ne peut venir que de nous-mêmes et qu'il nous faut réveiller nos forces intérieures pour vivre nos aspirations et incarner de nouveaux paradigmes. C'est pourquoi notre démarche repose sur un programme de formation philosophique qui conjugue vie intérieure et action, enseignement traditionnel et pratique du quotidien. Ces formations de philosophie pratique ont pour but de nous aider à nous transformer intérieurement pour incarner un changement extérieur qui soit éthique et durable. On va proposer dès la rentrée de septembre des nouvelles sessions de formation en philosophie pratique dans chacun de nos centres présents en France, mais aussi dans la francophonie. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook ou à vous connecter sur notre site internet www.nouvelle-acropole.fr. Vous pourrez voir les futures dates de rentrée et aussi nous contacter par mail à l'adresse qui est sur le site internet. Vous trouverez toutes les informations concernant les différents centres. Et il y en a 12 en France, mais il y en a aussi en Belgique, en Suisse et donc au Canada, à Montréal. Ce soir, nous sommes donc en direct pour une conférence sur Dante et le voyage initiatique de la Divine Comédie, présentée par Isabelle Oman, qui est directrice du Centre de Nouvelle Acropole à Paris 15. Et autrice de l'humanisme, actualité de la Renaissance aux éditions Nouvelle Acropole. Encore une fois, si vous avez des questions, des remarques durant la conférence, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. On les gardera et on va les poser à la toute fin de la conférence à Isabelle. Je vais maintenant accueillir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous, merci pour la présentation et merci à tous d'être présents ce soir pour cette conférence sur le voyage initiatique de la Divine Comédie. Et je suis très heureuse que nous puissions en parler, même si c'est un défi ambitieux et je crains que malheureusement nous ne puissions qu'effleurer le sujet, mais j'espère que cela va vous donner envie de lire ou relire ce texte merveilleux. Alors, pourquoi s'intéresser à Dante et à la Divine Comédie aujourd'hui? Certes, la Divine Comédie est un chef-d'œuvre littéraire et on peut le dire un monument de la pensée occidentale. Mais
Savez-vous que la Divine Comédie, c'est un texte tellement important pour l'humanité qu'on vient de l'envoyer dans l'espace au cas où des extraterrestres essaieraient de la lire. C'est vrai ce que je vous dis. Mais en réalité, pour être bien honnête, la Divine Comédie aujourd'hui se présente comme un poème en vieux toscan, qui a un langage quand même un peu obsolète, hein, même pour les Italiens, dans une versification, c'est un poème hein, qui est assez formel, qu'aucune traduction ne peut finalement reproduire, même s'il y en a de très bonnes. Et de plus, le texte est parsemé de références mythologiques, culturelles, historiques, religieuses, politiques, qui, pour la plupart, nous sont étrangères. Et on pourrait même dire que l'histoire qui mène de l'enfer au paradis semble complètement datée. Et pour couronner le tout, c'est un texte qui est très imposant, puisqu'il y a 14 233 vers exactement, c'est-à-dire un volume d'environ 700 pages. Donc, bref, pourquoi lirait-on la Divine Comédie aujourd'hui? Alors, pas simplement parce que c'est un poème merveilleux, c'est un poème extraordinairement imagé, imaginatif, mais parce que c'est une œuvre archétypale. C'est une œuvre qui nous parle de l'itinéraire spirituel de l'homme. Et c'est ce que nous allons essayer d'aborder dans cette conférence ce soir. En tout cas, essayer de mettre à jour quelques clés pour comprendre la Divine Comédie. Alors, pourquoi je vous parle de clés de la Divine Comédie? Eh bien, c'est parce que Dante lui-même en parle. Dans le chant 9 de l'Enfer, il dit la chose suivante. « Ô, vous qui avez un entendement sain, admirez donc la doctrine qui se cache sous le soleil tissé de ces vers étranges. » Donc, il attire lui-même l'attention sur un sens caché au sein de son œuvre. Il l'a déjà fait, d'ailleurs, pas seulement dans la Divine Comédie, mais avant, dans le Convivio, le Banquet. Et il recommande 4 niveaux de lecture. Le premier, c'est évidemment la lecture littérale. Mais il préconise 3 autres niveaux de lecture qui sont la lecture allégorique, morale et anagogique. Alors, anagogique, ça veut dire ce qui concerne le sens spirituel. Donc, on est tout à fait là dans un récit à plusieurs clés. Et nous allons essayer de les comprendre. Alors, avant d'entrer dans le texte à proprement parler, je vous propose d'abord d'évoquer un petit peu la vie de Dante et de comprendre déjà à travers sa vie quelques éléments qui vont nous aider. Alors, Dante était un Florentin, il est né donc à Florence en 1265 et il meurt à Ravenne en 1321, donc il y a 700 ans. Vous n'ignorez pas que c'est le 700e anniversaire de la mort de Dante. Alors, dans son histoire, Dante a 2 vies. Il dit qu'il est Gémeaux, donc c'est peut-être pour ça qu'il a 2 vies. Dans la première partie de sa vie, il est un politicien convaincu et engagé notamment dans la guerre qui oppose les Guelfes, qui sont les partisans du pape, et les Gibelins, qui soutiennent l'empereur. Et il participe même personnellement au combat. À Florence, il parvient à la magistrature suprême, en 1300, et il est même envoyé à Rome comme ambassadeur du pape. Mais finalement, ses adversaires prennent le dessus et Dante est condamné à mort et exilé de Florence. Et donc, s'il revient à Florence, il est condamné à mort. Et donc, il commence avec cet exil sa deuxième vie. Il part à Rome, puis à Vérone. Il est même venu à Paris. Il vivait près de la montagne Sainte-Geneviève, le Panthéon. Et enfin, à Ravenne, où il meurt en 1321 de la malaria. Là, il se consacre à l'écriture
Et il est le premier poète, le premier grand auteur à écrire dans ce qu'on appelle la langue vulgaire, c'est-à-dire la langue courante, plutôt que le latin qui était utilisé à cette époque. Et donc, c'est à Ravenne qu'il va élaborer la Divine Comédie. Il écrit l'Enfer en 1304. À partir de 1304, le Purgatoire entre 1308 et 1313, et enfin le Paradis en 1316. Et tout cela en continuant à tenter de mener un combat politique. Et voilà, il se considéra toujours finalement comme un exilé, puisqu'il n'est jamais venu à Florence. Il est mort à Ravenne, où on peut voir son tombeau, qui est un... dans le centre de la ville de Ravenne. Alors, quelles ont été les influences qui l'ont marqué dans son parcours? On pourrait dire qu'il est marqué par une double rencontre, celle de la poésie des trouvères occidentaux et en même temps la tradition orientale des soufis. Alors, dans un ouvrage précédant la Divine Comédie, qui s'appelle la Vita Nova, il se réfère à un groupe initiatique qu'il nomme les fidèles d'amour, dont il faisait partie, ainsi que son maître en poésie, qui s'appelait Guido Cavalcanti. Alors, on ne sait pas grand-chose sur les fidèles d'amour. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient une société secrète, qui cultivait un idéal chevaleresque d'amour spirituel, de vertu, et qui était en même temps très imprégné de la poésie mystique des soufis. Les soufis, c'est une voie mystique de l'islam qui prône l'élévation par le biais de la purification de l'âme. Et cette tradition spirituelle des soufis est entrée en Occident, évidemment, à l'occasion des croisades, et sans doute plus particulièrement par le biais des Templiers. Alors, dans la Divine Comédie, Dante fait plusieurs allusions aux Templiers, donc par exemple dans le chant 30 du Paradis, Béatrice, qui est dans l'Empyrée, est entourée et protégée par une assemblée de blancs manteaux, qui sont donc à l'image des chevaliers du temple. Et également, et ça c'est très important, Dante choisit comme dernier guide dans son périple de la Divine Comédie, le dernier guide qui va le conduire au sommet du paradis, Saint Bernard, Bernard de Clairvaux, qui est le père spirituel des Templiers, parce que c'est lui qui a écrit la règle des Templiers. Donc, il y a beaucoup d'études sur la question qui permet d'envisager très sérieusement que Dante ait eu connaissance de certaines données en provenance de cette tradition ésotérique islamique, du soufisme, ce qu'on appelle la science des lettres, et qui était diffusée déjà en Occident avant la Divine Comédie. Tradition qui se réfère aussi, et on va le voir tout à l'heure, à la science pythagoricienne des nombres, que Dante tenait en très haute estime, comme on va le voir. Alors, je continue avec l'histoire de Dante, puisque cette histoire se réfère finalement à plusieurs naissances. Bon, il y a bien sûr sa naissance au monde physique en 1265, comme je l'ai dit, mais il y a une seconde naissance qu'il raconte dans la Vita Nova, ce fameux livre qui précède et annonce la Divine Comédie. Vita Nova, littéralement, ça veut dire la nouvelle vie. On ne peut pas être plus clair. Alors, c'est une naissance qui est un véritable bouleversement, presque une illumination spirituelle. C'est la rencontre avec Béatrice quand Dante a 9 ans. Il écrit « 9 fois déjà depuis ma naissance, le ciel de la lumière était revenu presque vers le même point de sa révolution. » Donc, 9 ans se sont passés quand il rencontre celle qu'il nomme Béatrice. « Quant à mes yeux, apparut pour la première fois
la glorieuse dame de mes pensées, que nombre de gens nommaient Béatrice sans savoir ce que signifiait son nom. Alors, que signifie Béatrice ? En italien, c'est à la fois un nom propre, un nom commun et un adjectif qui signifie à la fois la béatifiante, celle qui fait entrer dans la béatitude, hein, synonyme de sainteté, ou, disons pour simplifier, celle qui conduit à la réalisation spirituelle. Alors, en rencontrant Béatrice, Dante a cru voir un ange. Et 9 années se passent avant qu'il ne la rencontre une seconde fois. Cette fois, la jeune fille, toute de blanc vêtue, va lui adresser un doux salut. Et ce salut a 2 sens. C'est un signe de reconnaissance et en même temps, il montre la voie du salut en tant que tel. En tout cas, dans l'histoire, Béatrice demeure inaccessible, elle se marie avec un autre et meurt à 24 ans. Et là, Dante raconte la crise profonde qui s'ensuit et son errance à la recherche d'autres centres d'intérêt. Il a même une aventure avec une autre noble dame qui semble désigner la philosophie scolastique, hein, la philosophie de ce temps-là, un petit peu ardue. Et enfin, son repentir, où il prend conscience qu'il s'est égaré dans le monde extérieur et qu'il s'est finalement perdu lui-même. Alors évidemment, la grande question débattue par tout le monde, Béatrice est-elle une personne réelle ou une allégorie ? Mais elle est bien évidemment une allégorie. D'abord parce qu'on sait que dans la vraie vie, Dante a été marié. Il a eu plusieurs enfants et il ne parle jamais de sa famille. Dante, il le dit lui-même, n'est pas une femme, c'est l'un des très beaux anges du ciel, hein, dit-il très clairement dans la Vita Nova. On pourrait dire que d'une certaine manière, Béatrice représente l'âme spirituelle qui s'exprime en nous à certains moments de notre vie pour nous faire entrevoir notre nature véritable, notre identité spirituelle. Bon, certains l'assimilent au soi. En tout cas, je préfère garder l'idée de l'âme spirituelle. Et elle devient donc l'objet principal de son amour. Et lorsque un de ses amis demande à Dante ce qu'est l'amour, il lui explique à la manière platonicienne que l'amour permet à l'âme de s'éveiller et de s'élever. Il dit de Béatrice, elle rend noble tout ce qu'elle voit, ce qui revient à dire qu'elle induit l'amour en puissance, même là où il n'est pas. Il continue en précisant que l'amour du bien élève l'âme qui le regarde et qui engendre des vertus comme l'humilité, la bonté, la patience, la douceur. Donc voilà quelques éléments introductifs sur la vie de Dante. Et maintenant, pour aborder la Divine Comédie, je vous propose un petit détour par les clés numériques. Et ensuite, nous rentrerons dans le texte à proprement parler. Alors, pourquoi les clés numériques de la Divine Comédie ? C'est un sujet qui a fait l'objet de nombreuses interprétations. Il y a énormément de textes, évidemment, qui ont commenté la Divine Comédie. Et sur la clé numérique, il y a beaucoup d'interprétations diverses. Et il faut reconnaître que cette clé numérique n'a jamais été explicitée par Dante. Elle garde donc une part de mystère. Il n'y a pas de preuve entièrement décisive des significations que Dante aurait voulu donner consciemment au nombre qu'il a employé, ni même à leur message. Donc, on va faire une œuvre herméneutique de quête de sens. Mais évidemment, ce qui frappe lorsqu'on étudie la Divine Comédie, c'est que Dante emploie une clé numérique qui est tellement précise,
tellement répétitive pour chiffrer le texte qu'elle apparaît définitivement comme un code qui est donc lui-même porteur de sens et qui renforce la nature éminemment symbolique du récit. Alors, nous allons seulement tirer quelques grandes lignes de compréhension de l'architecture numérique extrêmement complexe que Dante a mis en place dans son poème et voir la symbolique de quelques nombres que j'ai choisis. Alors, au niveau de l'architecture du texte, ce texte comporte trois parties, chacune divisée en 33 chants. 3 fois 11, je dis 3 fois 11 parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Soit 99 chants plus un chant d'introduction, c'est-à-dire 100 chants au total. Dans chacune des trois parties, qui sont chacun des trois mondes, l'enfer, le purgatoire et le paradis, Dante va traverser 9 plans. D'abord, il y a les 9 cercles du puits de l'enfer. Ensuite, il y a 7 niveaux de la montagne du purgatoire, mais comme il y a l'antépurgatoire et le paradis céleste, il y a en fait 9 plans. Et enfin, les 9 cieux du paradis. Alors, autre élément très intéressant et très structurant, c'est la versification du poème. Le poème est écrit dans ce qu'on appelle la tierce rime, terza rima, qui est une invention de Dante et qui impose un rythme ternaire à l'œuvre. Alors, comment ça fonctionne? Les strophes sont de 3 rimes. Le premier vers rime avec le troisième et le deuxième vers rime avec le premier vers de la strophe suivante. Et ainsi de suite. Donc, on a une espèce d'enchaînement entre les strophes, puisqu'il y a toujours un vers qui rime avec la strophe suivante. Ça fait comme une espèce de chaîne. C'est tout à fait l'image que procure cette versification du poème. Chaque vers est composé de 11 pieds, ce qu'on appelle endécasyllabes. Ce ne sont pas des alexandrins, c'est des endécasyllabes. Soit 33 vers par strophe, autant que de chants dans chaque partie. Donc là, c'est très clair, on voit que la Divine Comédie, c'est une œuvre qui est construite mathématiquement. Et voilà, on peut imaginer qu'il y a une géométrie des nombres qui met en vibration les mots, les rythmes, qui crée... un rythme général qui rayonne peut-être une force secrète que Dante a voulu inclure dans son poème. Parce que clairement, Dante s'inscrit dans la tradition pythagoricienne, qui considère le nombre comme l'essence de toute chose. Dans le Convivio, le banquet, il mentionne le très noble philosophe Pythagore. Et donc, c'est cette essence des nombres qu'il manifeste à la fois à travers cette architecture et à travers la répétition de certains nombres clés. Bon, j'en ai choisi 3, mais il y en a d'autres. Mais ça déborde largement le cadre de cette conférence. Alors, évidemment, le 3, puisque la Divine Comédie est répartie en 3 parties, c'est le rythme ternaire, etc. Si on cite Virgile, qui est le guide et le maître de Dante dans la première partie de son parcours de la Divine Comédie, il dit que les pythagoriciens assignent au Dieu suprême le nombre 3 qui est parfait. Voilà, donc le 3, c'est le nombre de Dieu par excellence. Pour les chrétiens, bien sûr, c'est la Trinité, c'est l'image même du divin qui est un, et triple à la fois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une clé essentielle de l'ouvrage, qui traverse l'ouvrage en même temps, qui se combine à lui-même pour donner le nombre suivant, qui est le 9.
Pour Dante, le 9 est un nombre qui est plus que parfait. Alors, on se rappelle que lorsque Dante et Béatrice se rencontrent pour la première fois, il a 9 ans, qu'il en a 18, 2 fois 9, lors de la deuxième rencontre, hein, le mémorable salut, qui a lieu, d'ailleurs, précise-t-il, à la 9e heure du jour, et beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'autres détails de précision liés au 9 que Dante cite. Et il va même jusqu'à dire que Béatrice est le 9. Dans Vita Nova, il dit « Cette dame fut accompagnée du nombre 9 pour donner à entendre qu'elle était un 9, c'est-à-dire un miracle dont la racine n'est autre que la merveilleuse Trinité. » Et il consacre tout un chapitre de Vita Nova au symbolisme du nombre 9. 9, c'est le 3 au carré. Par rapport à la théologie chrétienne, on rappelle que Jésus est crucifié à la 3e heure et expire à la 9e heure. Globalement, comme l'explique Dante, le 9 est l'expression miraculeuse du 3 ou l'expression du divin. Donc, Béatrice, qui symbolise à la fois l'amour, l'âme spirituelle, est à la fois la figure ou l'expression de la puissance du Dieu. Donc, on a le 3, qui est le chiffre du Dieu lui-même, et le 9, qui est son expression à travers Béatrice. Mais en même temps, le 9, c'est le dernier des nombres de la suite décimale, de 1 à 9, donc qui contient à la fois symboliquement tous les autres, et donc c'est celui qui a aussi la plus forte valeur, la plus forte puissance, mais il symbolise l'achèvement, l'aboutissement. Et il est en rapport avec les 9 mois de la grossesse, terme de la naissance, donc de la naissance d'un homme qui a accompli un parcours, d'un homme nouveau. Et ça va évidemment jouer un rôle très important dans ce parcours initiatique de la Divine Comédie. Et je terminerai avec le 33, 33 chants, 33 pieds par strophe, qui est un nombre que les pythagoriciens considéraient comme sacré et qui représente dans beaucoup de traditions l'aboutissement d'une quête, en analogie avec les 33 vertèbres du corps humain et bien entendu également avec la mort du Christ à 33 ans. Je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, d'aborder le poème lui-même, pas dans tous ses détails bien sûr, mais pour en comprendre le sens général. La Divine Comédie. Le mot « comédie » est un terme qui est employé pour signifier que la fin est heureuse, « happy end », mais aussi que c'est un ouvrage qui est écrit en langue vulgaire. Elle ne devient divine que plus tard, c'est Boccace qui va rajouter le mot divine, Dante l'avait simplement appelé la comédia. Mais en réalité, comme on vient de le comprendre, elle est divine dès le départ, puisque à travers cette structure numérique très particulière, Dante a voulu imprégner son œuvre du divin, et d'ailleurs, il parle lui-même de cette œuvre comme d'un poème sacré. Alors, de quoi parle la Divine Comédie ? C'est une œuvre qui raconte à la première personne le voyage imaginaire du narrateur qui se retrouve brusquement plongé dans une forêt sombre et un peu perdu, et là il rencontre le poète de l'Antiquité romaine, Virgile, qui l'invite à pénétrer dans le monde de l'au-delà. Virgile est envoyé par Béatrice pour le salut de l'âme égarée de Dante, et il en devient le guide. Dante commence son périple par l'enfer, suivra ensuite le purgatoire,
où Virgile sera finalement remplacé par Béatrice, qui prendra sa suite comme guide et qui le conduira jusqu'au paradis, jusqu'à la découverte de Dieu ou le mystère de l'origine du monde. Alors, nous allons partir en voyage dans ces trois mondes, mais pour commencer, je vous propose une petite écoute du début de la Divine Comédie. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que mort l'est à peine plus. Mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirai des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil en ce point où j'abandonnais la voie vraie. Mais quand je fus venu au pied d'une colline où finissait cette vallée qui m'avait pénétré le cœur de peur, je regardai en haut, et je vis ses épaules vêtues déjà par les rayons de la planète qui mène chacun droit par tout sentier. Alors, la peur se tint un peu tranquille, qui dans le lac du cœur m'avait duré la nuit que je passais si plein de peine. Et comme celui qui, hors d'haleine, sorti de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde, ainsi, mon âme qui fuyait encore, se retourna pour regarder le pas qui ne laissa jamais personne en vie. Voilà, nous sommes dans le prologue de la Divine Comédie et qui commence dans la nuit du jeudi au vendredi saint, 8 avril 1300. Dans une forêt obscure, au milieu du chemin de la vie, qui correspond à l'âge de 35 ans, l'âge réel de l'écrivain en 1300, et Dante a perdu son chemin. Il est égaré dans la vie, en fait, il s'est perdu lui-même. Et ce début, marqué dans le temps, correspond à une date tout à fait symbolique. C'est celle de la Semaine Sainte, la nuit du jeudi au vendredi saint et le dernier repas du Christ avant l'épreuve de la crucifixion, qui aura lieu le vendredi saint avec le chemin de croix et la crucifixion, vendredi saint, qui est le jour dans lequel Dante va pénétrer dans l'enfer, suivi du samedi, où l'on dit que Jésus lui-même est descendu parmi les morts pour ramener les âmes vers le ciel, et les âmes justes, et enfin, le dimanche, à Pâques, la résurrection du Christ, c'est-à-dire sa renaissance spirituelle. Bon, le symbolisme du calendrier est très clair. Alors, nous sommes dans une forêt obscure, menaçante. Dante est perdu, il est effrayé. Et cette forêt, eh bien, c'est clairement notre vie quotidienne quand elle est vide de sens, quand elle est dominée par l'anxiété. Et au loin, Dante aperçoit la montagne du purgatoire qui est illuminée par les rayons du soleil. Il veut s'y rendre, mais trois animaux l'en empêchent, comme on le voit sur cette image de William Blake. Une panthère, qui symbolise la luxure, un lion, image de l'orgueil, et une louve, qui représente la cupidité, qui est la projection synthétique de trois péchés capitaux dont notre voyageur aura plus tard la vision par l'intermédiaire des âmes châtiées dans l'enfer. Il dit
dans le premier chant de l'enfer, contre l'effroi qui me saisit d'un lion paraissant. Il me semblait qu'il vint droit de vers moi, plein de rageuse faim, la tête haute. Et on en cuidait voir tout l'air frémir. Heureusement, l'écrivain finit par rencontrer Virgile. Et Virgile lui propose de le guider dans son périple. Alors, pourquoi Virgile est-il le guide de Dante ? Virgile est un monument de la littérature latine, hein, un peu à l'égal d'Homère pour les Grecs, hein, et c'est le poète auquel s'identifie Dante. Au Moyen-Âge, on voyait Virgile comme un poète qui était inspiré par la divine providence parce qu'il aurait prophétisé l'avènement du Christ dans ses écrits. Mais comme il n'a pas connu véritablement la révélation chrétienne, il va être dans la géographie de l'au-delà, relégué dans les limbes, c'est-à-dire au début de l'enfer, et comme tous ceux qui n'ont pas connu le Christ, il ne pourra jamais accéder au paradis. Alors Dante dit clairement hein, que Virgile est son maître, et il parle de Virgile en disant « mon plus que père ». Et donc, il met vraiment en scène la nécessité d'avoir un maître, un guide, pour pouvoir initier son parcours spirituel. Alors, Virgile explique à Dante qu'il ne peut pas aller directement vers le soleil et vers la montagne illuminée du purgatoire, mais qu'il doit passer au préalable par l'enfer. Il lui dit, dans le premier chant de l'enfer, il te convient d'aller par un autre chemin si tu veux échapper à cet endroit sauvage. Je serai ton guide et je te tirerai d'ici vers un lieu éternel où tu entendras les cris désespérés. Tu verras les antiques esprits dolents qui chacun crient à la seconde mort. Tu verras ceux qui sont contents dans le feu parce qu'ils espèrent venir un jour futur aux gens heureux. Et ensuite, si tu veux monter vers eux, une âme se trouvera bien plus digne que moi. À elle, je te laisserai à mon départ. Donc, il explique à Dante tout ce qu'il attend. Il devra affronter les vices, l'obscurité, la douleur de l'enfer avant d'accéder au purgatoire et ensuite au paradis. Alors, parlons de l'enfer. L'enfer est une sorte de puits en forme d'entonnoir qui est formé par la chute de Lucifer au centre du globe, au centre de la Terre. Il est divisé en 9 cercles concentriques superposés dans lesquels sont placés les damnés. Et les cercles sont de plus en plus petits et comportent des tourments de plus en plus terribles au fur et à mesure que l'on descend. Il est réparti en différentes catégories. Disons que, pour simplifier, il y a un haut enfer pour ceux qui ont seulement cédé aux passions et un bas enfer pour les pervers, les véritables méchants, les véritables mauvais. Et au bas de l'enfer trône Lucifer dans un monde glacé, un monde totalement immobile. Et de ce fond de l'enfer par un souterrain par lequel Virgile et Dante sortiront et déboucheront sur le côté opposé de la terre au pied d'une montagne colossale entièrement entourée d'eau, une espèce d'île, et ce sera le purgatoire. Alors à l'entrée des enfers, il y a une porte au-dessus de laquelle on peut lire « Vous qui entrez ici, abandonner toute espérance. » Et qui dit clairement que ce n'est pas dans l'enfer que l'on va trouver le salut. Donc, au seuil de l'enfer, on trouve le vestibule, des lâches, des esprits neutres qui ne se décident jamais. Ensuite, Dante va véritablement pénétrer
dans l'enfer à travers les 9 cercles que nous n'allons pas détailler parce que là, la conférence serait très très longue. Mais nous allons essayer d'en sortir la symbolique générale. À l'entrée des enfers se trouve le juge des âmes, Minos. Minos, c'est l'antique roi de Crète qui est connu pour le mythe du Minotaure. Vous savez, cet animal à corps d'homme et à tête de taureau qui fut enfermé dans le célèbre labyrinthe construit par Dédale. Et évidemment, symboliquement, hein, au centre de ce labyrinthe, c'est-à-dire au fond de l'enfer, on y trouve donc Lucifer. Le labyrinthe matérialise un principe universel, qui est le chemin ardu que chacun doit emprunter pour parvenir au cœur de lui-même. Au Moyen-Âge, en Italie comme en France, le labyrinthe est présent sur le sol de certaines cathédrales médiévales. En France, bien sûr, on connaît le labyrinthe de Chartres ou d'Amiens. Ils sont assimilés aussi au chemin de croix. Il y a toute une symbolique qui se répond. Et il nous invite donc à descendre au plus profond de nous-mêmes, dans nos propres méandres, dans nos propres noirceurs, pour vaincre nos dragons intérieurs et atteindre notre propre centre. Et ce parcours du labyrinthe, c'est évidemment un symbole de transmutation. Et on trouve des labyrinthes en tête de manuscrits alchimiques, par exemple. Il est associé à l'œuvre noire des alchimistes. C'est le lieu de l'obscurité, le lieu dans lequel on rencontre sa propre noirceur. Dante dit « Je viens en un lieu où la lumière n'est plus ». À l'inverse, comme on le verra par la suite, du purgatoire ou du paradis qui sont, eux, des lieux totalement baignés de lumière. Au bout de l'enfer, Dante rencontre la mort et une troisième naissance, en quelque sorte. Il dit, dans le chant 33 de l'enfer, « Je ne mourus pas et je ne restai pas vivant. Juge par toi-même, si tu as fleur d'intelligence, ce que je devins, sans mort et sans vie. » Donc, il nous donne une petite clé pour nous faire comprendre que c'est une mort symbolique. C'est une mort qui est nécessaire pour passer d'un état à un autre. Symboliquement, la mort exprime un renoncement définitif à l'existence qui a précédé. Donc, l'enfer, le labyrinthe ont une fonction à la fois purificatrice et initiatique. C'est la naissance à une vie nouvelle qui se trouve au bout du chemin. Donc, dans l'introduction, on avait vu Dante pris par la peur et le désespoir, et maintenant, nous le trouvons, en quelque sorte, maître de ce labyrinthe infernal, et tout prêt à le décrire aux hommes. Et dans les derniers vers de l'enfer, il dit « Mon guide et moi, par ce chemin caché, nous entrâmes pour parvenir au monde clair. Et sans nous soucier de prendre aucun repos, nous montâmes, lui premier, moi second, si bien qu'enfin je vis les choses belles que le ciel porte par un pertuiron. Et par là, nous sortîmes à revoir les étoiles. » Cette renaissance permet à Dante de sortir de l'enfer et de revoir les étoiles. Un petit mot sur les étoiles, puisqu'elles occupent une place toute particulière dans la Divine Comédie, puisque chaque partie, l'enfer, le purgatoire et le paradis, se termine par le même mot, étoile. Revoir les étoiles,
ou voir les étoiles, c'est voir la beauté du monde et en même temps, c'est mystère. Alors, nous allons maintenant suivre Dante au purgatoire. C'est donc par ce souterrain, hein, ce pertuis rond, cette porte, que Dante et Virgile parviennent donc aux côtés de la terre, opposés à celui où se trouve l'entrée de l'enfer, et arrivent donc au pied du purgatoire. Et je vous propose d'écouter Dante en parler. C'était l'heure où le désir s'infléchit, où s'attendrit le cœur des bourlingueurs quand ils ont dit adieu aux chers amis, et qui pique d'amour le voyageur tout neuf s'il entend une cloche au loin paraissant pleurer le jour qui se meurt. L'or, écouté, commença d'être vain, et l'une des âmes debout je vis, qui réclamait l'attention de la main. Elle leva les paumes et les joignit, en fixant ses regards vers l'Orient, comme pour dire à Dieu, nul autre souci. Le Telukis Ante, si dévotement sorti de sa bouche et en si douce note que je ne fus plus de moi-même conscient. Et les autres, aussi douces et dévotes, accompagnèrent son chant tout entier, levant les yeux vers les sphères les plus hautes. Affûte bien, lecteur, tes yeux au vrai, car le voile en est si fin maintenant que certes le pénétrer est aisé. Dans ce chant 8 du purgatoire, Dante fait une nouvelle allusion au sens caché, même s'il nous dit que le sens est aisé à découvrir, ça n'est pas aussi sûr. La montagne du purgatoire a été formée par la chute de Lucifer au centre de la Terre et toute la masse terrestre qui a été chassé dehors, et il est divisé en 7 cercles, comme on a dit. Alors, dans l'enfer, on descend, dans le purgatoire, on monte. Ce monde du purgatoire comporte un antépurgatoire, et il est suivi des 7 corniches des 7 péchés capitaux. Et au sommet du purgatoire se trouve le paradis terrestre ou le jardin d'Éden. Dans chaque cercle du purgatoire, les pécheurs trouvent successivement l'expiation de leurs fautes. Ils vont subir des châtiments et purifier graduellement leur âme. En contemplant sous diverses apparences les exemples de la vertu opposée à leurs vices. Par exemple, les négligents qui ont attendu la dernière heure pour se réconcilier avec Dieu doivent subir une longue attente. Ou les envieux. Les envieux ont les paupières cousues parce qu'ils ont convoité les biens d'autrui. Ou les avares. Les avares sont étendus, pieds et poings liés, face contre terre, parce que leur âme est restée attachée à la poussière. Donc, ils ne peuvent pas regarder le ciel. Ils ont simplement les yeux collés à la matière. Alors, ce qu'on voit, c'est que chaque défaut ou chaque vice est en quelque sorte compensé par son contraire pour le ramener dans une forme de rectitude. C'est le philosophe Marc Aurèle disait « Seras-tu droit ou redressé ?» Donc, il s'agit de retrouver la vertu qui, comme le disait Aristote, est le juste milieu entre deux extrêmes.
disons, d'une certaine manière, Dante décrit le purgatoire comme le lieu d'une pratique de compensation qui permet de récupérer un milieu qui va permettre de mener à l'élévation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de purgatoire est assez récent à cette époque. Il est apparu, il était officialisé par l'Église seulement 25 ans avant l'écriture de la Divine Comédie. C'est un concept très neuf et qui est une révolution conceptuelle parce qu'elle introduit l'idée de la rédemption, c'est-à-dire la possibilité pour chacun de contribuer à son salut par sa propre action et détermination. Alors, dans le purgatoire, il n'y a ni cri ni gémissement, contrairement à l'enfer. Au contraire, l'atmosphère est chargée de chants, de musique. C'est un lieu où les individus ne vivent pas les épreuves comme une punition, mais comme une purification qui leur permet de laisser passer la lumière. Et c'est pour ça que le purgatoire correspond à l'œuvre au blanc des alchimistes, la purification, et le lieu où l'on fait face à notre ignorance, à nos faiblesses, pour s'en débarrasser comme d'une maladie que l'on veut guérir. Et Dante lui-même fait contrition. Il avoue à Béatrice avoir succombé à cette maladie. Il dit dans le chant 31 du purgatoire, après avoir poussé un soupir amer, je trouvais à peine de voix pour répondre et mes lèvres articulèrent les mots à grand effort. Je dis en pleurant, les choses présentes, avec leur faux plaisir, détournèrent mes pas aussitôt que votre visage fut caché. C'est-à-dire que dès qu'il a perdu le contact avec Béatrice, le contact avec son âme spirituelle, il s'est égaré dans le monde, il s'est égaré dans la vie extérieure, les faux plaisirs, plutôt que de se consacrer à la vie intérieure inspirée par Béatrice, et elle va le lui reprocher. Et à la fin du purgatoire, Virgile quitte Dante et le laisse aux mains de Béatrice, tout en lui disant que son jugement est désormais libre, droit et sain. Et il atteste à Dante que son périple dans l'enfer, puis le purgatoire, a purifié son mental. Et simplement, Virgile lui dit, te voici en un lieu où, plus loin, par moi-même, je ne discerne plus. C'est-à-dire, Virgile lui dit, je ne peux pas t'amener plus loin. Et on comprend que Virgile symbolise également, on pourrait dire, la raison intellective, le mental, qui ne permet pas à Dante d'entrer dans la troisième phase de son périple, qui est le paradis, où il aura besoin d'une faculté supplémentaire, qui est l'intuition, qui est la capacité de capter les choses sans le raisonnement. Et c'est pour ça que Béatrice vient remplacer Virgile dans cette troisième étape qui est le paradis. Dante retrouve donc Béatrice pour traverser les neuf cercles du paradis et il nous décrit ce séjour divin avec neuf sphères qui entourent la terre et plus on s'élève de sphère en sphère, plus les vertus qui s'y trouvent sont pures, plus leur félicité est grande car elles sont plus proches de Dieu. Et tout au haut des cieux réside la Trinité et les mystères chrétiens. Au paradis, Dante parvient à un état qu'il qualifie de
Trasumanar. Trasumanar. Alors, c'est un néologisme en italien qui évoque un état au-delà de l'humain, au-delà de la condition humaine, qui est obtenu par le dépassement de soi-même. On pourrait le traduire par traverser l'humain pour atteindre le divin. Trasumanar, comme il le dit dans le texte, s'élever au-dessus de l'humain ne peut se décrire par des mots. Donc, il exprime là une expérience intime et ce sont ce qui va le conduire évidemment à cet état de fusion avec le divin et de captation de ces mystères contenus au sommet de l'Empyrée, qui est le dernier cercle du paradis. Et donc, je vous lis les derniers vers du paradis qui disent « Ici, ma fantaisie succomba sous l'extase. Mais déjà, commandait au rouage docile de mon désir, de mon vouloir, l'amour qui meut et le soleil et les autres étoiles. » Et donc, pour terminer, je dirais que Dante, à travers ce poème, nous décrit un véritable chemin initiatique vers la sagesse et vers la réalisation de soi. Et Victor Hugo n'a pas hésité à dire de Dante qu'il était l'homme qui a conclu le parcours de l'évolution. Et donc, je ferai un lien avec la philosophie et avec Nouvelle Acropole, puisque la philosophie, comme nous l'entendons, c'est un amour de la sagesse qui nous permet de nous transformer, de nous élever, de nous réaliser et d'escalader cette montagne magique qui est l'Acropole, qui mène à la réalisation de soi. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre aux questions s'il nous reste un peu de temps. Peut-être Angèle, dis-nous. Merci beaucoup Isabelle pour cette belle et inspirante conférence. Concernant les questions, bien d'abord j'aimerais que tu nous dises un petit peu quelle traduction on pourrait se procurer de la Divine Comédie si on souhaite la lire. Alors, tout dépend de ce que l'on cherche. Il y a des traductions qui sont très plus faciles à lire parce qu'elles essayent de mettre en évidence le sens. On trouve des traductions libres de droit sur Internet, des PDF. Et moi, j'aime bien travailler avec aussi. Bon, néanmoins, je recommanderais deux traductions qui sont à notre disposition, qui sont quand même d'une particulière qualité. La première, c'est celle de Jacqueline Risset, que l'on trouve chez Garnier Flammarion, qui est une traduction qui est déjà assez ancienne, mais qui est vraiment de référence, qui est très inspirée et poétique. Et la deuxième, c'est celle qui vient de paraître, celle de Daniel Robert, alors qui est une traduction très admirable parce qu'elle est faite en vers, à la tierce rime, ce qui est quand même un exploit, et c'est une très belle traduction aussi. Donc chacun, je recommande vraiment à chacun de choisir la traduction avec qui l'inspire, avec lequel il se sent à l'aise. Super, parce qu'on a une petite question de Fred qui nous demande si la version de la Pléiade est conseillée après ce que tu viens de nous dire. Voilà, ma réponse, c'est vraiment de choisir une traduction qui nous parle. En fait, tout le monde n'est pas sensible à la même chose dans les traductions. Et en réalité, moi, je travaille avec plusieurs parce que je trouve qu'elles se complètent tout à fait. Et dans les textes qui ont été lus, elles sont extraits de différentes sources. Très bien. Ah, je vois que s'affichent les références. Je voudrais dire que dans la traduction de Daniel Robert, il y a un appareil de notes très intéressant, absolument indispensable dans la Pléiade aussi, absolument indispensable pour comprendre ce dont on parle.
Très bien, merci beaucoup. Une autre question, c'est quels étaient les rapports de Dante avec l'Église ? C'est une question délicate. D'un côté, l'Église reconnaît Dante comme un joyau de la spiritualité chrétienne, et vous savez peut-être que le pape François a publié très récemment, à l'occasion donc, du 700e anniversaire de la mort de Dante, une lettre apostolique en son honneur. Et il le qualifie de prophète d'espérance et de poète de la miséricorde. Donc, Dante apparaît comme parfaitement canonique. Mais d'un autre côté, il écrit une œuvre codée. Une œuvre codée qui peut sentir le soufre. D'une part, parce que, comme je l'ai dit au début, il fait référence aux Templiers, et il faut bien comprendre que l'arrestation des Templiers est absolument contemporaine de la rédaction de la Divine Comédie, puisque l'arrestation des Templiers, c'est 1307. Et le martyr du dernier Templier, Jacques de Molay, c'est 1314. Donc c'est exactement contemporain de la rédaction de la Divine Comédie. Donc, il ne fait pas bon, nécessairement, de se réclamer des Templiers. Et la deuxième chose, c'est son imprégnation de la mystique soufie. Et clairement, les musulmans sont quand même les hérétiques et les infidèles qui tiennent Jérusalem. Donc, ça n'est pas non plus très recommandé. Et donc, beaucoup d'auteurs pensent que ce discours est justement volontairement voilé pour échapper aux foudres de l'Église. Et j'ajouterai qu'un des livres de Dante a été mis à l'index par l'Église. C'est un essai politique, donc ce n'est pas pour des raisons religieuses, c'est un essai politique. Mais bon, voilà, les choses ne devaient pas être aussi simples que ça. Merci pour cette précision. Et peut-on penser que Dante a vécu réellement ce qu'il a écrit ? Alors, il le laisse à penser. Il laisse entendre. Il écrit d'abord ce récit à la première personne, ce qui est d'ailleurs quelque chose de très étonnant. Ça ne se fait pas du tout à cette époque. Et il dit qu'il écrit pour témoigner vis-à-vis des autres hommes. Et comme on l'a vu, il explique à différentes reprises qu'il s'agit d'une expérience. En tout cas, ce qu'il décrit, ce sont des états intérieurs. Il figure des états psychiques ou des états spirituels dans lesquels l'homme peut se trouver. Il ne décrit pas des lieux géographiques, mais des lieux intérieurs. Donc, ceci suppose de toute façon, disons, une finesse d'appréciation et un réel vécu, une profondeur qui lui permet de faire ça. Donc, oui, on peut penser que Dante a été quelqu'un qui a vécu ce type d'expérience mystique qu'il raconte. Très bien. Une question de la part de Olivier qui demande quels sont les personnages de la Renaissance que Dante a inspirés et est-ce que l'on peut dire que son œuvre trouve aussi des références avec le monde antique ? Alors, Dante a inspiré tous les humanistes de la Renaissance. De la même manière que les lettrés de l'Occident classique ont tous lu Homère, ceux de l'Occident médiéval, à partir de Dante, ont tous lu Dante et jusqu'aux époques récentes. Donc, on ne peut pas les citer, mais moi j'aime bien dire que Michel-Ange, qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine selon un programme qu'il n'a jamais dévoilé, puisqu'il a tout détruit. Il y a des études récentes très convaincantes qui expliquent qu'il s'est inspiré de la Divine Comédie, qu'il connaissait très bien, qu'il ne connaissait pas par cœur, c'est un trop grand ouvrage, mais qu'il récitait vraiment
avec passion. Et voilà, et c'est un des personnages qui a été inspiré par la Divine Comédie. Et est-ce que la Divine Comédie fait référence à l'Antiquité? Oui, il n'y a que des références à l'Antiquité dans la Divine Comédie, énormément. C'est un ouvrage très, très érudit, dans lequel il y a des références sur énormément de choses, ce qui montre aussi l'esprit encyclopédique qu'était Dante. Merci beaucoup Isabelle pour ta réponse. Et je terminerai avec une dernière question, parce que tu as parlé des Templiers. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les liens entre Dante et les Templiers? Alors, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. René Guénon a écrit un livre sur l'ésotérisme de Dante, et dans ce livre, il mentionne la seule preuve matérielle que l'on peut avoir du lien entre Dante et les Templiers, qui est une médaille qui se trouve dans le musée de Vienne, et dans lequel on associe Dante, le nom de Dante, avec un ordre appelé Fede Santa, qui correspond en fait aux fidèles d'amour, dont on a déjà parlé, et qui était considéré comme un tiers ordre templier. Donc, la relation de Dante aux Templiers ne serait pas simplement une influence, ni même une appartenance, mais probablement il était lui-même le grand maître de cette Fede Santa, de ce groupe des fidèles d'amour. En tout cas, il est clair qu'il a été, disons, très imprégné de leur philosophie, puisqu'il désigne Saint Bernard comme son dernier guide après Béatrice, dans les derniers cercles du paradis. Et on sait par ailleurs que l'ordre du Temple, qui était un ordre monastique et chevaleresque, était une grande organisation initiatique, c'est la principale organisation initiatique en Occident au Moyen-Âge, et en même temps qui établissait ce lien avec l'Orient, puisqu'il gardait les lieux saints à Jérusalem. Alors c'est aussi un vaste sujet, mais je vous renvoie aux deux livres que nous avons publié sur le sujet, un qui s'appelle « Les Templiers, une chevalerie initiatique », qui a été écrit par Pascal Cronier et Jean-Pierre Ludwig, et l'autre qui s'appelle « L'idéal secret des Templiers », qui a été publié récemment par Delia Steinberg-Boussmann, et qu'on trouve sur notre site internet. Je crois qu'on peut les acheter en format digital. Très bien. Merci beaucoup Isabelle. J'ai une dernière question qui a été posée par le public, si tu veux bien la prendre, de la part de Jérémy, qui demande une précision sur l'influence du soufisme dans l'œuvre de Dante, parce qu'il ne voit pas exactement où se situe cette influence-là, si on a une trace écrite de sa part, et une question par rapport à l'inspiration du texte de Dante. Est-ce qu'il s'inspire de ces textes où l'on fait parler des morts célèbres, dont les héros de Homère? Alors, c'est une question. Question à rallonge. Donc, la trace du soufisme, elle est claire, c'est la personne de Béatrice. En fait, dans le soufisme, on va personnifier la quête de notre âme spirituelle par la dame. Et l'amour mystique pour cette dame est présent dans tous les poèmes soufis. Donc là, le lien est très clair. Il y a des études qui existent sur la relation entre Dante et l'islam. Je vais essayer de vous le retrouver. Je crois que j'ai un petit papier où je peux donner à cet auditeur une référence. Voilà, une référence que je peux donner qui est dans la revue de l'histoire des religions de Maxime Rodinson, Rodinson, Dante et l'islam. Et là, il y a beaucoup d'éléments très, très convaincants et très documentés sur le soufisme. Enfin, disons, voilà, la présence de Béatrice
est déjà clairement une marque orientale. Et est-ce que Dante s'inspire de ces textes où l'on fait parler les morts célèbres, dont les héros d'Homère ? Oui, bien sûr, puisque par définition, cette descente aux enfers, elle fait référence aussi, par exemple, au texte d'Homère. Hein. On sait que Ulysse va descendre aux enfers hein, après qu'il ait visité l'île de Circé, et naturellement, Virgile. Virgile a écrit l'Énéide, et dans l'Énéide, Énée descend aux enfers. Et c'est pour ça que Virgile, entre guillemets, a une certaine expérience ou il a une certaine légitimité à conduire Dante dans les enfers, en tout cas dans une certaine clé. Merci beaucoup Isabelle d'avoir pris le temps de répondre à cette dernière question de la part de nos internautes. Et je te remercie également pour cette conférence très vulgarisée sur Dante qui a inspiré beaucoup les internautes qui demandent une deuxième partie. Donc, on espère qu'on aura l'occasion d'entendre la suite pour aller plus loin. Et merci beaucoup de nous avoir inspirés, nous avoir fait voyager durant cette heure de conférence. Bien volontiers pour une deuxième partie. En tout cas, merci à tous d'être présents, d'avoir été présents. Et j'étais ravie d'être parmi vous ce soir. Et on peut prendre un autre rendez-vous. J'en serais vraiment enchantée. Merci, merci Angèle pour l'accompagnement de cette conférence. J'en profite pour informer à nos internautes que Isabelle va publier un article à l'occasion du 600e anniversaire de la mort de Dante au mois de septembre, qui va paraître dans notre revue Acropolis, que vous pouvez recevoir gratuitement dans vos boîtes aux lettres électroniques en vous abonnant simplement à notre newsletter sur notre site internet de la revue. On espère que cette conférence vous a plu et vous a fait voyager tout en tant que ça nous a fait voyager. Vous pourrez revoir cette conférence en replay sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et pour en savoir plus sur le mouvement de Nouvelle Acropole, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou bien entendu au centre acropolitain le plus proche de chez vous. Nous sommes présents à Paris, Rouen, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Marseille, Montpellier, Biarritz et Bordeaux, mais aussi en Belgique, en Suisse et à Montréal. Encore une fois, merci à tous pour votre présence et votre participation et un grand merci à Tarek et à Théo qui étaient à l'appui de ce live et à très bientôt.